C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite. Retraite, mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite. Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice? Pour faire chier les mômes. Pour faire chier les mômes, explains little Zazie in the film Zazie dans le métro. Welcome to Listen to French, the video channel which helps you learn to listen to French and understand what you hear. And this week, yes, we're going to talk about swearing, bad language, les jurons, les gros mots. Now, this is a sensitive subject. I get emails of complaint every time I post a sketch by France's blue comedian Jean-Marie Bigard on my site. But in fact, swearing in French is completely different to swearing in English. It doesn't have the brutality, the unpleasantness, the barbarity of English or American or Australian swearing. Our swear words, the common ones, carry a taboo because they have such force. I'm going to allow myself a little liberty in this video for educational reasons, but normally I wouldn't say to you, that's a fucking good film. I laugh because I've broken a taboo. French swear words don't carry that impact. There is therefore no taboo. The whole thing is much gentler. One evening I was watching the French evening news, and there was one of France's most famous stand-up woman comedians being interviewed, Florence Foresti. She had taken a year off to have her first baby, and she had decided to return with a one-woman show in a Paris theatre based around the idea that a woman can be a mother and have a love life. There behind her was a photo of the front of this theatre with a big billboard with the title of the show, which was Motherfucker. You wouldn't see that outside a theatre in New York or London, I think. The French love using our F-word because they know the impact it has in our society and because swearing works differently in France. We all need words to blow off steam, and mostly we repeat the same ones all the time. A Frenchman can get through the day with just putain, or perhaps putain de merde, or just con. But we are going to drill down a little more deeply into the world of swear words and insults, les gros mots et les injures. I'm going to finish this video with a song, so let's start with one as well. Here is Georges Brassens, who gives us a potted history of swearing in La Danse des Jurons. Voici la ronde des jurons qui chantent clair, qui danseront. Quand les Gaulois de bonne alloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gilouillent ainsi parbleu que les jarnis bleus et les palsans bleus. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardi que les sapristis et les sacristis. Now, perhaps we should also include briefly the world of children, because some of you will no doubt accuse me of taking a childish pleasure in this subject, which is perfectly true. Here's a lady talking about the pleasure of the sound of words and of the pleasure children have in saying things they're not supposed to say. Effectivement, à 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de jeux de mots. Rendez-vous compte, ce que caca, pipi, dodo, ce sont des réitérations. Caca n'est pas un gros mot, pipi non plus. Et bien on s'aperçoit que vous avez des syllabes qui sont réitérées, que les enfants réitèrent les syllabes et jouent avec cela. Il y a le plaisir de l'interdit. Dès que vous dites quelque chose, on n'y faut pas le dire, vous le dites. These examples come from an excellent documentary I collected years ago called Le plaisir des gros mots. I'm going to use a whole lot of quotes from it. But to get to the real thing, why don't we continue with a selection of insults? Connard. J'adore connard, mais j'aime beaucoup connard. Je le trouve rond. Merde, con, salope, bite, espèce de grosse bite, par exemple. Oui, merde, et toutes les autres terminaisons linguistiques, emmerdé, merdification. Now, as I have
observed before in this series of videos, English is an emphatic language. We fire words at each other like bullets. Let's take an example of a common type of sketch where we make fun of stupid or unnecessary things people say. There is a story told by the London Cockney comedian Mike Reed, which unfortunately I haven't found on YouTube, where he says that he's driving his car one night, he's drunk, he's by himself in the car. He stops and he sees a policeman coming towards him. The policeman looks through the window and says, as English policemen do, "Evening, sir, are you the driver of this car?" And Reed replies, "Well, it's an automatic, but I've got to fucking be there." Let's see how this type of sketch is done by France's equivalent of Mike Reed, Jean-Marie Bigard. Pointez au resto avec un copain. Vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir, il dit, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Vous en avez pas? Bon, ben, on va dîner, alors, à ce moment-là. Connard. Alors après, il insiste, le garçon, il dit, deux couverts? Il dit, non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis je lui repasserai la fourchette de temps en temps. Connard. Alors, attention. Rigolez pas trop, parce que des fois, c'est nous, quand même, hein. Des fois, c'est le client. Le client, il prend le menu, comme ça, des fois, puis il dit, il est frais, votre poisson? Et non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer, quand même. C'est le jeu. Et moi, l'autre jour, et ça, c'est une réflexion tout à fait authentique, tu vois, c'est-à-dire, j'étais au restaurant, je venais de finir mon assiette, moi, j'avais tout bien récuré, l'assiette, elle brillait, on aurait pu la remettre en vitrine directe, tu vois. Et le garçon, il arrive vers moi, il me dit, vous avez terminé? Ben, j'ai dit non, je vais manger l'assiette, puis après je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard! Hey. Now, it's true that French swearing doesn't seem to have that brutality in it that ours has. It relies on the music of the language. It relies on vocabulary. And there is this strange phenomenon that in French, words that start off by being very offensive lose their force and become ordinary. Maxime Forestier tells us how Coluche changed the force of the word enfoiré, which originally had the force of someone saying bastard in English. Coluche avait garé sa voiture en Amazon sur le trottoir. À 8 heures du matin, un flic le réveille, le sonne à sa porte pour lui dire, Monsieur Coluche, ils vont passer, mes collègues, changez votre voiture. L'autre n'avait pas assez dormi, il le vire en le traitant d'enfoiré. Le flic porte plainte. Et entre le moment où le mot a été prononcé et le moment du procès, enfoiré était devenu un mot d'amour. Coluche l'employait tous les jours à Europe 1, sur Canal, on est tous des enfoirés, etc. Et les gens se reconnaissaient comme enfoirés entre eux. Le mot avait changé de sens entre l'injure et le procès. C'est un mec qui raconte à son pote, tu sais, j'ai une nouvelle secrétaire, et elle m'a dit, hier, elle m'a dit, tenez patron, ça vous ennuierait de passer chez moi le soir? Alors il a dit, bah non, bien sûr, je veux bien. Alors il est allé, tout ça, il dit, j'y suis allé. Bon, puis alors, elle est arrivée, elle était en peignoir. Elle m'a dit, je vous sers un petit whisky, elle a éteint la moitié de la lumière, tout ça. Alors j'ai bu un petit peu avec elle, on a parlé de sa poitrine principalement. Et puis, après ça, elle m'a dit, je vais dans la chambre. Et puis, vous attendez un petit peu, je me prépare, puis vous arrivez. Alors il dit, le mec, il dit, je suis arrivé dans la chambre, j'ai éteint la lumière. Je suis rentré, j'ai refermé la porte derrière moi, et à ce moment-là, la lumière s'est allumée, et tous les copains du bureau étaient là, c'était mon anniversaire. Ben l'autre, il dit, ben alors c'est formidable, il dit, oui, mais j'étais à poil. Bon, et ben voilà, alors à demain, hein, enfoiré. Hey, 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 enfoiré, 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 enfoiré. Obviously, off-color stories, which make us laugh because of their content, like any jokes or sketches, offer particularly good listening practice. They tend to be the hardest to follow. Here is an example from François Cavenat, who was the founder of the satirical magazine Charlie Hebdo. Monsieur Cavenat is no longer young, there is background noise, but it illustrates how good such stories are because one wants desperately to understand. I think I got most of this one, but if you can offer any corrections, please don't hesitate to let me know. Quand j'étais petit, il y avait une histoire qui traînait parmi les gosses, on s'en racontait avec délice, on adorait ça, c'était comme ça. C'était une marchande de fraises sur le marché. Elle a sa petite voiture avec plein de fraises dessus, et les gens parlent. Bon.
Elle dit à son petit-fils, son fils, un petit garçon qui était là, elle lui dit, écoute, je vais pisser un coup, garde-moi la voiture pendant ce temps-là. Rendement, il s'installe, puis il continue à lire son illustré. Il y a une bonne femme qui s'amène, qui dit, oh, est-ce qu'elles sont bien tendres, est-ce qu'elles sont bien mûres, tes fraises, mon petit? Madame, il plonge dedans. Non. Oh, madame, ça vous fond dans la gueule, on dirait une merde. Elle est estomaquée, elle se sauve. Elle repasse quelques temps après, c'est la mère qui est revenue et qui est là. Alors elle dit, ah madame, savez-vous, votre petit garçon, je lui ai demandé tout à l'heure gentiment quelque chose, il m'a répondu, une horreur. Alors la marchande la regarde et dit, ma pauvre dame, m'en parlez pas. Ces enfants de putain, c'est poli comme mon cul, ça voulait que des sales mots dans la gueule pour faire chier le monde. Voilà, c'était le genre d'histoire qui nous ravissait, qui nous faisait rire aux larmes et on se les répétait sans cesse. Voilà. Comme quoi le gros mot est une institution. Sans le gros mot, on s'emmerderait sur terre. Vraiment. No collection of French swear words would be complete without the immortal and ubiquitous con, the essential word in your French vocabulary. So let's watch the son of Frédéric Dard, who wrote the San Antonio books on the subject. However, reflect on this. There is an exact equivalent for the word con in English. It too starts with a C. It's a four-letter word, and basically it means the same thing. But I am not going to say it here, because even I can't break that taboo. That really shows the difference. Mon père a écrit aussi sur les cons, si tous les cons volaient, il ferait nuit. Enfin bon, les gros mots sont les mêmes. Hein. C'est le mot con qui est le gros mot, pour moi, le gros mot majeur. Le con, le petit con, le vieux con, le grand con, le sale con. Il y a des nuances magnifiques dans la connerie. Et ce mot con a traversé si vous voulez, les générations et il est toujours aussi fort, car on n'a pas trouvé plus simple, trois lettres, pour désigner la bêtise ambiante. Con, connerie. Moi je cite le mot con pratiquement 30 fois par jour. Avant on citait le mot chose ou le mot type, qui sont des mots qui ne sont pas grossiers. Mais aujourd'hui, on a tendance, quand quelqu'un vous dépasse dans la rue, vous êtes en voiture, il vous fait une queue de poisson, alors vous dites, pauvre con, va. Quand vous trouvez un type qui veut vous prendre votre place de parking, c'est encore un con. Les cons, qu'est-ce qu'il y a comme con? Alors on croirait. Ouais, c'est vrai que le nombre de cons qu'on a sur cette terre, hein. On est cerné par les cons. On est cerné. Regardez autour de vous. Non, attendez, non, j'ai pas dit ça pour vous. Hein. Vous êtes pas con. Hein. Non, vous êtes pas con puisque vous êtes là. Ben, en règle générale, le con est pas là. Hein. Non, le con est absent. Ah oui, non, le con est absent. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez dit du mal de quelqu'un. Il n'était pas là. I hope you enjoyed those extracts. Let's finish this video with a song. Here is Maxime Forestier singing the very celebrated Fernande. See you next week. À la prochaine. Une manie de vieux garçon. Moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.